à Dieu. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison de votre Seigneur, de notre Dieu. Nous voulons ce matin encore bénir le nom de Dieu pour le message qu'il nous a communiqué au travers de l'homme de Dieu. Et nous voulons aussi adresser nos salutations à ceux qui nous suivent depuis la plateforme Zoom, ceux qui sont à la maison, ceux qui ont été invités, ceux qui sont connectés de travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer avec nous un bon moment de louange et d'adoration et que vous en recevez autant que nous qui sommes venus ici. Voilà, nous voulons nous tenir debout et nous voulons, comme le frère l'a dit, profiter de cette atmosphère de louange propice à l'adoration, propice à la rencontre de notre Dieu. Et nous voulons ce matin lui l'acclamer, commencer par des acclamations. Oui, parce que Dieu a été pour nous pendant la semaine un secours. Il a été pour nous un rempart. Il a été pour nous une force. Il a été aussi le sujet et l'objet de notre chant. Il a été chaque jour avec nous quand nous nous sommes confiés à lui. Tout puissant, notre Sauveur règne aux cieux. Dieu est souverain. Souverain, il est. Oui, il est notre réconfort. Notre réconfort. Alléluia. Yeah.
est fort et puissant. Oh ah, oh ah. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Avec vous cette expérience que j'ai faite cette semaine où je demandais au Seigneur, mais Père, aide-moi à comprendre ce que tu as abandonné pour me sauver. Et la réponse que j'ai eue, c'est: serais-tu capable, toi qui habites dans une maison, d'abandonner ta maison avec tout le confort, avec le chauffage, avec les fauteuils, pour aller vivre dans la rue? Serais-tu capable de tout abandonner pour aller vivre dans la rue? Et une fois dans la rue, serais-tu capable d'accepter l'humiliation,
d'accepter qu'on te frappe, d'accepter de mourir. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh Seigneur, tu avais tout dans le ciel. Les anges te servaient. Tu étais revêtu de gloire. Mais tu as accepté de laisser ce manteau de gloire pour revêtir notre humanité. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance? Sois élevé, qu'un peuple de Dieu exprime sa reconnaissance ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci Jésus. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Un peuple de Dieu peut déjà élever la voix pour dire reçois ma reconnaissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Reçois notre louange. Reçois ma reconnaissance. Oui, reçois ma reconnaissance, Jésus.
Souvent, on pense que c'est par notre propre moyen qu'on a eu ce travail. Lorsqu'on se réveille le matin, souvent on pense que c'est par nos propres forces qu'on se réveille le matin. Lorsqu'on a des enfants, souvent on pense que c'est par nos propres forces qu'on a des enfants. Mais le Seigneur ce matin me dit que tout n'est que grâce. Et que si tu as une maison ce matin, c'est parce qu'il l'a voulu. Si tu respires ce matin, c'est parce qu'il a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, reçois, reçois, reçois. Jésus.
sois ma reconnaissance. Oui, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Même si je ne comprends pas tout, reçois. Reçois ma reconnaissance. Même si c'est difficile, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Même s'il y a un climat hostile, reçois ma reconnaissance. Oui. Car nous avons trouvé un amour incomparable. Nous avons trouvé un amour incomparable en la présence de Jésus. Un amour inexprimable, un amour inexplicable. Les mots me manquent ce matin pour te décrire, Seigneur Jésus-Christ. Oh. Jésus, nous savons que tu nous aimes au-dessus de tout. Et Seigneur, même si nous traversons des moments difficiles, même si le climat est hostile, même si rien n'est favorable à ton adoration, nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Et nous avons trouvé en toi un amour incomparable. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui. Plus grand que l'amour.
majesté. Ça veut dire en fait que tu reconnais que ta vie ne dépend pas de toi. Ça veut dire que ta vie lui appartient et qu'il est souverain dans ta vie. Il peut faire ce qu'il veut. Lorsque tu dis majesté, en fait, ça veut dire que Seigneur, viens et règne dans mon cœur, Seigneur. Lorsque tu dis majesté, ça veut dire Seigneur, je te dis, je te donne tout au pied de la croix. Nous jetons nos couronnes, sainteté, majesté. Oui, tu es majesté, Seigneur. Viens, règne dans ma vie, règne dans mon cœur, Seigneur. Sature cet endroit de toi, Seigneur, parce qu'en ta présence, nous sommes transformés. En ta présence, Seigneur, nous ressortons différents, Seigneur. En ta présence, nous sentons ton esprit. Touche-le, il te fera du bien. Dis-lui qu'il n'y a point d'amour. Il n'y a point de frère. Il n'y a point d'amis. Il n'y a point de Dieu. Ça, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Comme redoutable. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Comme Jésus. Il n'y a comme Jésus. Comme Dieu Jésus. Comme Jésus. Oui, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Yeah.
Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Supportant tous nos péchés. Supportant tous mes péchés. Tu es venu. Tu es venu. Alléluia. Pour ce grand amour manifesté en nous, tes mains ont été percées pour nous sauver. Tu m'as lavé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Son nom.
toi, Jésus a tout payé. Il agira.
lève ce monde devant de lui. Ta vie est dans le creux de sa main. Il agit. Nous allons acclamer le Seigneur. Merci, Go Musical. Voilà, merci. Que son nom soit béni. Merci.